Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires dans des véhicules avec une tourelle déployable. Alors les tourelles déployables, c'est tout simplement celle-ci, vous pouvez aussi en trouver dans les bus de combat. Donc je vous affiche une map avec tous les bus de combat. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement, quand vous êtes dans une tourelle, c'est tout simplement infliger des dégâts à des adversaires, mais des adversaires qui sont dans un véhicule, pas comme je suis en train de le faire, hein, parce que là, il n'est pas dans un véhicule, donc ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que l'adversaire soit dans un véhicule pour que ça fonctionne. Donc là, par exemple, ben, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'adversaire avec un véhicule. Donc je ne peux pas vous le présenter. Mais voilà, tout simplement, si la personne, elle prend... une voiture ou un char ou un bus de combat, ben vous prenez la tourelle et vous le carnardez avec votre tourelle. Et si maintenant vous avez un bus de combat, si vous êtes dans le bus de combat et que vous voyez quelqu'un avec un véhicule, ben vous changez de place, vous allez dans la tourelle qui a sur le bus, donc la tourelle qui est juste là-bas, donc je vais vous montrer la tourelle qui est juste au-dessus du bus, et là ensuite ben vous canardez la personne qui est dans le véhicule. Mais il faut absolument que la personne soit dans le véhicule pour que ça fonctionne. Donc regardez là, pas celle-là, hein. Je pense que cette tourelle-là ne fonctionnera pas, donc prenez bien la deuxième, cette tourelle. Je pense que cette tourelle devrait fonctionner si vous infligez des dégâts à des personnes qui sont dans un véhicule. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 1200 de dégâts, parce qu'il faut infliger 1200 de dégâts à un véhicule, à un adversaire qui possède un véhicule, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulomec et ciao, peace.